Bonjour à tous, comme promis, on va bien faire le rangement de céleri. J'ai ramené quelques sacs de chez moi. Vous allez être contents. J'ai un sac de liqueur. Un sac, bah, ça les couvre, hein, vu qu'on est au plein mois de juillet, c'est un peu rien. Et là, c'est de la pharmacie que j'ai ramenée. J'en avais parlé qu'il fallait que je remplisse ma mallette de pharmacie. J'ai la chemise anti-mouche de poulie, donc je peux ranger. Je vais laver à la fin de la saison. Donc, on range ça là-dedans. Change de couverture. Ça va être un bon. Je vais vous expliquer tout ce que vous voulez dans les deux. C'est le printemps de la fin de la. Ça, c'est trop beau. C'est une blague. Je vais vous prendre ça. Du coup, il m'en manque une d'après. Que j'avais utilisé pour folie. Qui doit être à la maison. Alors, truc de pharmacie, ça que j'ai ramené, je vais vous emmener avec moi jusqu'à la mallette de pharmacie. Alors, elle se trouve juste ici. Des huiles essentielles. Ça, c'est un truc pour en cas de crottin mou. L'argile. Ça, c'est de l'aspirine. Hop, c'est ce que je devais rajouter. Il va falloir que je range maintenant les licols. Désolée, pourquoi c'est flou. Voilà. Et en licol, j'ai, je crois, tout ça. Voilà. Il me reste encore des petits insectes à manger. Voilà ce que ça donne avec ma petite fiche qui date de 2016, mais bon. Là, on a les produits de soins pour les pieds, donc les graisses que j'utilise pas beaucoup, mais en cas où. Et les mallettes de parage. J'ai également 2-3 bombes quand les ptios viennent monter. Vous voyez pas parce que c'est sombre. Et j'ai le matériel, le cliqueur, un peu tout petit matériel. Donc là, pour ceux qui s'est arrangé, il n'y a pas trop besoin de rien faire. Ici, j'ai rangé donc la mallette de soins. Le petit bol, il va falloir que je le récupère. En dessous, c'est du matériel de clôture, donc ça vous intéressera peut-être pas. Pour ce qui est des licols, partie préférée, bien sûr. Alors, est-ce que je vous les remonte tous en détail? Parce que vous les avez déjà tous un peu vus normalement. J'ai également l'hélicol et tour. Alors ici,
Donc, on a un colle en cuir que je dois me débarrasser, un colis de chasse en cuir que je garde, un autre colis de chasse de spectacle, donc qui va avec le licol là, mes cordelettes. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Là, on a un licol et taupe qui est aux couleurs des matériels de spectacle. Ce qu'il y a derrière, donc là, on a toutes les muselaines, les protections moumoutes. Là, en bordeaux, on est en rose, on a un peu toutes les tailles. On a mon tapis oriental. Derrière, on a quoi? Un licol poulain que j'ai mis là, je ne sais pas où le mettre, le foulard. Je vais mettre la croupière. Bon, en dessous, on a des bottes en tout genre. On mange les licols que je vous ai montré juste avant. L'armoire des couvertures. Bon, il y a quelques jouets pour les chevaux, mais là, c'est le couvre-cou. Couverture impaire, couverture chaude, couverture impaire, clamette. Les anti-insectes ici. Donc, de poly. Une bague que j'ai achetée qui est trop petite, qui va à personne. Apache et Playmate. Les anti-eczéma d'Apache et de Playmate. On a la polaire, celle d'Apache, elle est chez moi. Les couvre-reins. Donc, il y a celui-ci, rose violet, le marron et un impair noir. On a des seaux. Il y a encore des seaux ici. Des sacs à foin. Là, c'est encore des anti-mouches. Si vous en voulez, j'en ai des bleus qui ne me servent pas. Taille 125, c'était celle de Kaya. Bon, ça peut peut-être servir pour la sauce. Je vais peut-être garder finalement. Et là, il faudrait que je range mieux les outils. Parce que là, on a donc nos selles, les westerns. Et puis, ben, mes selles sans arçon. Et celle de ma fille, que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, celle-ci. Et voilà pour la vidéo rangement de la céleri, comme promis. Donc voilà, on a rangé. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, juste un peu de rangement au niveau des licoles et des couvertures. Bah, pour l'été, il était peut-être temps. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!